l'un de ceux qui pourraient les remplacer en Star League la saison prochaine, puisque Tremblay a officiellement pu valider sa montée avec suffisamment d'écart à la suite de sa victoire face à Istres. Suffisamment d'écart. Oh, le shoot de loin, superbe tir pris par le jeune Yacine Ben Salem, jeune Tunisien du centre de formation. Oh, et superbe parade hein, de Zoran Radic, c'est vraiment, ouais, la relance elle était magnifique derrière, mais le bon repli, il se jette sur tous les ballons, les Dijonais, ça ne changera rien à l'addition. Et on va profiter aussi, nous, de cette joie dijonnaise, de cette possibilité qu'il aurait. Pour ce soir, c'est ce qu'on va souhaiter évidemment aux Chartrains. Pour de toute façon, mais la vigilance de Wesley Pardin et les Aixois qui sont partis de l'autre côté déjà. Ça fait 156 buts désormais pour lui cette saison. Allez, Ben Salem, voilà, entre les jambes de Wesley Pardin. Et enfin, après 5 minutes 30 de jeu, le premier but Chartrain dans cette rencontre. Avec le soutien du public du Colisée. Et Ben Salem qui obtient le 7 mètres. Elliot Desblancs. Est-ce que Chartres va prendre les devants pour la première fois de la rencontre? La possession, ils l'ont. Avec Ben Salem et le rebond qui est fatal à Wesley Pardin. Et on voit Philippe Gardan là sur le banc avec soi qui peste évidemment, alors contre l'arbitre, mais certainement aussi intérieurement contre ses joueurs. Attention à ce geste là, et encore une sanction qui va sortir. Ouais, sur Yacine Ben Salem, rien à dire, le maillot qui a été avec un joueur en moins. Attention, la possession en nouveau pour Chartres avec Ben Salem. Vérin. Oh, Sergei Kudinov, voilà, ça c'est un beau jeu. Collier, le portier aixois. Attention, ce ballon récupéré. Yacine Ben Salem, est-ce qu'il va tester à nouveau Wesley Pardin? Et cette fois, le but est validé. Oh, attention, hein, parce que Barbarskas, il était à quelques changements d'ailleurs à noter. Alors Ben Salem, là, avec le ballon qui prend sa chance avec un petit peu de réussite. Le poteau rentrant. Ouais, je parlais de quelques changements avec l'entrée d'Alexa Kolakovic, avec présent au poste de pivot pour Chartres. Ben Salem. Oh, Hugo Youn qui a été trouvé! Et la finition impeccable